Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue dans l'émission. Encore une fois, je dis à la pour nous capables de retourner et nous parler un petit peu de la Bible. Je dis à nous parler cerner un sujet qui est particulièrement très difficile à cerner parce que c'est le sujet de l'Apocalypse. Nous parlons un petit peu de l'Antichrist. Il y aurait l'Antichrist, il y aurait l'Antéchrist, il y aurait également le dragon, le faux prophète. Donc, nous allons cerner la question ça, nous parler du livre de un petit peu de l'Apocalypse, et puis nous allons commencer dans Matthieu, pour nous voir vraiment qui est-ce qui est Antichrist, qui est-ce qui est le faux prophète là, et qui l'est la bête sur la terre. Et nous gagnons aussi pour nous enfoler de la marque de la bête, qui ça signifie qu'il y a un pile monde qui confond tout le bagage ça. Nous allons essayer long, je dis là, nous parlons un petit peu sujet ça, très, un sujet qui est assez restreint. Et parce que nous t'ai parlé déjà un petit peu de la grande tribulation, comment ça va lier, mais nous t'ai promis, on a retourné dans les détails parce que nous t'ai parlé en gros ce que c'était que l'avènement du Christ, et puis nous t'ai parlé de la grande tribulation, nous t'ai parlé du millénium, nous t'ai parlé du retour de Christ sur la terre, la nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais cependant, nous parlons en détail un petit peu sur certains faits de la Bible. Parlez-nous, par exemple, parlez-nous de l'Antichrist et du faux prophète. Et dans la Bible, nous parlons de la période que nous parlons la grande tribulation, qui est divisée en deux parties, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Ça fait 7 ans. Daniel Degretan parlait de ça. Il parlait un temps de temps et la moitié de temps. Lorsque vous faites calcul, vous voyez que c'est 42 mois. Ou bien 3 ans et demi. Donc, Matthieu, c'est parler nous de la fin des temps. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et la fin des temps, il est divisé en deux périodes. Parce que, bon, fin des temps, ça la Bible et de nos jours-là, c'est-à-dire que dans Matthieu 24, dit-nous qu'on n'attendait pas de guerre et de bruit de guerre, mais la Bible dit-nous, c'est le signe de la fin des temps, mais ce ne sera pas encore la fin. Si nous voulons, on va le faire un coup d'œil sur Matthieu 24 pour nous voir vraiment Gampil et Moun qui parlent non de Matthieu 24 comme la fin définitive des temps. Mais on voit Matthieu 24 parce que les diviser en deux périodes, parce que grande période sur la fin des temps et grande autre période sur la grande tribulation que le parlent. On regarde Matthieu 24 qui dit non et nous regarder la prochaine pour même et qui dit non. Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de la fin du monde? Ça, c'est la fin du monde que l'a parlé. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est a toujours gagné les faux Christ. Nous avons relié les faux Christ, mais ce ne sera pas encore l'antéchrist, parce que l'antéchrist sont l'autre barque. Les faux Christ, mon caprant, caparlé sous le nom de Jésus-Christ. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses aillent. C'est bagaille naturel, lorsque nous avons des guerres faites ici par là. Donc, c'est bagaille normal, d'après Jésus-Christ. Mais il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, c'est pas occupé aussi de religion, et qu'a dit nous, au paroi que, première guerre mondiale, qu'il y a deuxième guerre mondiale, qu'il y a troisième guerre mondiale, donc c'est la fin des temps, donc le temps fini, etc. Donc, la Bible dit, ce ne sera pas encore la fin, parce que dans la Bible, il faut nous bien distinguer les mots pour ne pas courir, faire tête nos choses, etc. De même que, il y a dit nous, que oui, et à la fin des temps, que nous allons subir la marque de la bête, hein, et si ou pas, il y a une marque de la bête là, ou pas manger, ou pas boire, etc. Et puis 666 là déjà là. Tout ça, si on peut étudier la Bible, il ne faut nous pas courir, courir n'importe bagaille, parce qu'il faut prendre le temps de bien étudier la Bible et pouvoir placer chaque événement dans son contexte. Donc, c'est peut-être ça, on a fait étude ça avant, à travers la Bible, pour nous vraiment expliquer, etc. Nous pas fait comme Mounio Cap lit, on sait de la Bible, ça ne va pas comprendre rien. Donc, on a étudié la Bible, on est capable de comprendre. Et puis, on a continué avec verset, dit, vous entendez parler de guerre, de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Et pour nous capables de continuer, il dit, non,
Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout ça, c'est le signe de la fin des temps. Donc, c'est la fin de la fin des temps. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire que tout ça n'a pas passé de nos jours-là. Ce ne sera pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. C'est un petit bagage qu'on apprend avant que la vraie fin, on parlait de fin, on a dit vraie tribulation, vraie douleur pour commencer. Parce que c'est lui-même que nous besoin d'arriver à avoir la période de la grande tribulation. Alors, on vous lèvera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On a dit les chrétiens, on ne peut pas parler de n'importe monde, des chrétiens. Mais aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns des autres, etc. Nous ne pouvons pas plus tout verser ça au barou parce que ce n'est pas là le but. C'est pour nous montrer la différence entre la première partie de Matthieu 24, là, c'est-à-dire qu'il a parlé de la fin des temps où il y aura des guerres, des bouts de guerre. Mais la Bible bien dit nous, ce ne sera pas encore la fin pour nous bien distinguer, pour ne pas confondre avec des guerres intestines à faire qui peuvent nous assimiler à la fin des temps. Donc, Christ parle en écrité, divine. Première phase du retour de Christ, nous toujours dit, c'est l'enlèvement de l'Église. Les papes mettent les pieds sous terre là et les papes ont une grande catastrophe. Il y a un bagage qui est très simple à prêter. La Bible nous dit que deux hommes seront dans les champs, l'un sera enlevé et l'autre resté. C'est-à-dire, l'autre là, il n'a pas même où même si compagnie Elia est parti. Deux mondes prennent le lit, madame et monsieur, ils ont enlevé. L'autre l'a prêté, sans le pas même ou à côté lié. L'a cherché de tous côtés, disparition. C'est là que le parle grand, pile monde qui disparaît dans le monde entier, laisse à la ville comprendre que ce sera l'enlèvement de l'Église. Donc, il y aura des pleurs, des cris, et des grincements dedans, parce que et tout le monde a peur que qu'on y a là, nous approcher réellement de la fin du monde, parce que Christ enlevait l'Église. Immédiatement que Christ enlevait l'Église, ça va le passer. Nous approchons vers la période de la grande tribulation parce que l'Église enlevée, il n'y aura plus de prédication sur la terre, il n'y aura plus le Saint-Esprit pour apaiser les choses, pour parler dans les cœurs. Donc, une méchanceté pourra régner dans le monde entier. Donc, c'est là que nous entrons après la période de l'enlèvement de l'Église où les chrétiens vont vivre dans les cieux avec ses bien-aimés. Que Vin parlait, nous te parlons un petit peu de résurrection. Il y a des gens qui étaient les morts qui se ressuscitent premièrement, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés. Donc c'est comme ça, enlèvement lié à la fête. Mais cependant, grande tribulation pourra commencer rapidement. C'est là que nous parlons étudier dans le livre Apocalypse. Et, par exemple, là, nous regardons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, nous parlons qu'il y a trois acteurs qui pourront faire place sur eux dans le monde. Il y aura le dragon qui est assimilé au diable, ok, à Satan, la Bible, le serpent ancien, la Bible toujours parlé de lui-même, et il y aura le faux prophète, et il y aura l'antichrist. Le dragon, ça, nous parlons ça dans l'Apocalypse, à partir de chapitre 13. Tout chapitre 13 là, et parlez-nous de l'arrivée du dragon, le faux prophète et l'antéchrist. Donc là, nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, en nous faisant un coup d'œil la donnée, pour le dire nous que l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est-à-dire qu'immédiatement qu'il vient, il a venu en première phase de séduction. C'est ça qui a duré 3 ans et demi. Hein? Une première phase de séduction pour capable séduire les hommes. Et donc, c'est l'antéchrist, la bête. Et le faux prophète, c'est lui-même qu'un prophète de lui-même. Le dragon a bâillé à l'antéchrist son règne. Donc, l'antéchrist lui-même, c'est lui-même qui va régner comme un roi. Une sorte de homme puissant dans le monde entier, qui parle imposer loi, et qui parle gagner une sorte de gouvernement mondial, et qui parle gagner une marque, la marque de la bête. Vous comprenez? Songez que vous-même qui êtes vrai chrétien,
cap suivre Christ, cap étudier parole li, ou pas concerné par moment ça, parce que l'église sera déjà enlevée, toujours dit nous ça. Donc, pas occupé, mon gars, dit oui, nous-mêmes chrétiens, nous allons faire face à l'antichrist, etc. Donc, il faut nous connaître qui j'aime pour nous vivre. Non, soit suivre Christ, n'est pas plutôt passé par face ça, parce que l'église, son église, sera déjà enlevée. Donc, mettez bien ça dans tête, pas quitter le monde, prendre tête, pour nous être capables de suivre l'événement ça assez bien. Donc, ça nous a expliqué. Et l'antéchrist même, l'a gagné un gouvernement mondial l'a mené, l'a imposé loi économique, l'a imposé loi l'Italie, parce que l'a gagné des miracles, des prodiges qu'a fait, tout le monde a vu quoi, tout le monde a soumetti à lui-même, et l'a vu une sorte de dictateur, qu'a bail tout bail. Si qu'on y a pour manger, pour boire, etc., faut passer par lui-même, faut gagner la marque de la bête en lui-même. On n'a pas besoin d'expliquer exactement qui c'est la marque de la bête, pour qu'on, etc., gagner. Tout au long de l'histoire, il a parlé de la marque de la bête. Il était ouais avec Luther qui était divisé avec l'Église catholique. Luther qui était fondé, il est fondateur de l'Église protestantiste. Il était ouais que les catholiques te disent que c'est lui-même qui marque de la bête là. Il est ouais que dans le pape avec signe de vicavirus, etc. C'est lui-même qui signifie le chiffre 666 là. Il y a une pile d'interprétations qui fait tout le monde qui nous parlait de Marc de la Bête. Ce qui est important, c'est que pendant cette période de la grande tribulation qui a duré en deux phases, 3 ans et demi de séduction et 3 ans et demi de malheur, eh bien, c'est lui-même qui va diriger le monde au point de vue économique, politique et social. Et tout le bagage va le sentir dans lui-même et en plus il va accomplir des miracles. Et après, dans la partie deuxième phase là, il y a Christ lui-même à la fin de ce temps qui va venir, qui va anéantir l'impie, qui va le blesser lui et qui va le blesser lui. Et ça, c'est à ce moment-là que lui-même, la bête sera blessée et puis ça qui va le passer qu'on y a là, lui-même va le même et comme s'il régénérait. Tout le monde parle qu'on est mort, mais il n'est pas mort. Et puis, il va entrer dans le temple de Salomon qu'il va reconstruire. Et le temple est reconstruit parce que c'est l'un des signes des temps également qui dit nous, puisque le troisième temple de Salomon pour qu'on reconstruit. Et jusqu'à présent, il y a plein de monde qui a fait des plans. Plan déjà fait, déjà pour le temple est construit. Si nous regardons sur Internet, là, on voit que des Juifs eux-mêmes, il y a un plan eux-mêmes pour reconstruire le temple. Mais le temple de Salomon sera pris d'assaut par la bête, le faux prophète et l'antichrist. Et c'est eux-mêmes qu'on y a là, qui parle élever comme un dieu au-dessus des dieux, et que le parlement de tout le monde adorer la faux prophète, la parle pousser tout le monde pour adorer la bête, c'est-à-dire l'antichrist, comme un dieu suprême. Donc, il y a plein de monde qui parle obligé d'adorer le moyen pour capable de vivre, etc. Et c'est à ce moment-là que Christ lui-même voilà, descend sous terre ça avec les saints qu'il a enlevé avec là, et puis avec une armée d'anges, il va envahir, il va descendre sur le mont des Oliviers, et puis qu'on y a, il va accaparer Satan, le faux prophète, le dragon et l'antichrist, et il va le jeter dans l'abîme pour le enchaîner lui pendant une période de 1000 ans. C'est là que la prière à faire, nous c'est une pas très longue, c'est juste pour nous montrer vraiment la période de cette grande tribulation, comment et chronologie à la pralier, l'enlèvement de l'Église, l'arrivée de la bête, le faux prophète et le dragon, et dans une première phase de séduction, de mensonge et d'impiété, et puis deuxième phase là, de phase de calamité, et puis qu'on y a là, Jésus va retourner avec toute une grande tribulation qui va jeter sous terre là, avec les choses qui vont tomber du ciel pour anéantir Satan, l'enchaîner pendant une période de 1000 ans où tout le monde avec Christian et puis tous ceux qui ont résisté à la bête, le faux prophète, tout le monde ça, il va vivre avec une période de 1000 ans de paix et de grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'après qu'on y a là, Jésus-Christ va l'instaurer de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre pour être capable de vivre avec les chrétiens pour le temps et pour l'éternité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là que nous avons campé. Nous espérons que si ça te fait plaisir, écris-nous, bain-nous et macou, et puis abonnez avec chaîne-là, c'est les éclairs, pour nous capables de continuer à travailler ça avec vous. Merci et bonne soirée à tous.